Je suis certain que la direction de l'UPAC entend la population et son inquiétude. Je vais donc l'inviter, et c'est important de le préciser, dans les limites que permettent les enquêtes en cours, à donner publiquement le plus de précisions possible. Merci. Monsieur le Premier ministre, vous dites que plusieurs questions se posent. Quelles sont les questions que vous nous posez? Bien, il y a cette question de l'AMF qui est un des éléments qui est soulevé. C'est pour ça que la vérificatrice générale va le vérifier. Et pour les autres éléments également, donc on entend dans les médias, je pense que tout ça doit être clarifié. Les circonstances de l'arrestation de M. Ouellet, les raisons de cette arrestation, je pense que la population a bon droit demande des détails. Et je comprends que l'UPAC ne peut pas tout dire parce qu'il y a des enquêtes en cours, mais je suis persuadé qu'ils entendent cette inquiétude de la population. Comment qualifiez-vous la visite de l'UPAC depuis une semaine? Je ne vais pas la qualifier, je les inviterai à entendre la population et son inquiétude, comme je l'ai dit, et à donner, dans le cadre de ce qui est possible pour eux, compte tenu de leurs enquêtes, à donner le plus de précisions possible. Je vais encore rappeler le caractère exceptionnel de la situation qu'on vit ici. Ce n'est pas banal. Un parlementaire élu en exercice qui a été placé en état d'arrestation pour un motif encore inconnu. J'aime pas voir ça. Ça, j'aime pas voir ça.